Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crashland. Alors, lors du dernier épisode, on avait fait les gants Hydra Blade, donc les gants légendaires. Et on avait obtenu pas mal de quêtes. Donc on va essayer d'avancer un petit peu lors de ce nouvel épisode. Normalement, il ne devrait plus y avoir de problème de son, de décalage, etc. Puisque c'était un problème lié au logiciel, ça m'a vraiment embêté, je suis désolé. Mais comme je filmais en 1080p, enfin j'enregistrais en 1080p 60fps, apparemment il y a un bug avec Action. Du coup, maintenant, vous aurez du 30fps. J'en suis désolé, mais il y a un petit bug apparemment avec Action. Donc voilà. J'avais dit que j'améliorerais un petit peu ma petite maisonnette. Bon, je pense qu'on le fera un peu plus tard. Qu'est-ce que je peux craft? Ça, je l'avais crafté déjà, si je me trompe pas. Je sais pas ce que c'est que ça. And craving for burritos. Bon, je vais laisser ça là. Je sais pas exactement ce que c'est. Alors. Et ça ici. Ok. Attendez, je crois qu'on avait les graines là-dedans aussi, non? Yep. Ok. Comme ceci. En fait, je devrais juste bouger. Voilà. Et on va planter un petit peu. Voilà, on va planter des arbres. Mince. Près de la maison. Comme ça, on n'aura pas à aller vachement loin pour récolter du bois. On en aura juste à côté. Donc, c'est impeccable. Ok, donc petit crash. Je suis désolé. C'est pas grave. On va continuer. Je sais pas pourquoi le jeu a crash comme ça. Il en a eu envie. Alors, on a eu masquette. On va essayer de voir ça. Alors, regarde, on a eu 6 quêtes. Get the Resonator, Marking, Walk Route, Seriously Milk It, Back to Oli, Legendary Lies. Alors Legendary Lies, c'était quoi? Usual Mess. Alors, Evil Loans, ok. Donc si je regarde la carte, normalement... Voilà, c'est ici. On doit aller voir Jarnals. Apparemment, il s'appelle comme ça, Jarnals. On devrait aller voir ce qui se passe là-bas. On va plutôt aller vers ici, où j'avais eu une quête juste avant la fin du dernier épisode. Donc on va aller checker ça. On va aller voir ce qui se passe là-bas. C'est par là. En même temps, on récolte un peu de bois, il nous en faut masse. Si on veut arriver à faire notre maison full bois. Tac, on va récupérer pas mal de bois. Donc j'ai pas mal de quêtes. Et ça va nous faire un petit peu avancer. Pour le moment, je pense que j'ai pas d'équipement assez haut pour tuer les pieuvres et les sortes de lucioles. Enfin, je pense que plus tard j'aurai un équipement beaucoup plus balèze et je pourrai les tuer plus rapidement. Là, ça met trop de temps. Du coup, on va rester longtemps sur une pieuvre et je pense que c'est du temps perdu. Donc on va essayer d'avancer sur les quêtes et peut-être qu'on aura quelque chose qui va nous aider. Alors... Par contre les Wompit encore, ça va. Faudrait que je le stun. Pourquoi t'es pas stun? Ah mince. C'est G pour stun. Ben oui, c'est G. On a eu un mur, ok, un mur d'os, très bien. Pourquoi pas. Alors, ça doit être par là, non? Ouais, ça doit être par là. Ah, je crois que c'est ça qu'il faut récolter. Ouais.
Oui, c'est super chaud les pieuvres. C'est super chaud. Et là, ils vont en arriver de plus en plus. What the fuck? Ok, on a tué un. C'est trop chiant! Arrêtez de bouger, putain! Ok, il reste plus qu'un. Au moins, j'esquive, c'est bien. J'esquive. On va pas parler trop vite non plus. Ok, impec. Alors, on va récolter ça. Wallcroot, c'était... Ouais, ok, c'était bien ça pour la quête. On va en récolter masse. Je sais pas à quoi ça sert exactement. Donc on verra bien. Il faut peut-être que je lui ramène. Wout, il y a plein de mobs. Ok, la luciole n'est pas contente. Alors, c'est bien ce que tu voulais? Off-Wellcroot, y est. Oui, c'est bon, on les a, non? Grid takes this here scene and place it in the strangely symmetrical patch. What? Takes this here scene and place it. Ok, donc en fait il y avait un panneau et il fallait le placer. Ouais, mais où est le panneau? Attendez, j'ai un panneau? Ah ok, il est là le panneau. Donc en fait il fallait placer le panneau là-bas. J'ai pas lu la quête, je suis parti comme ça comme un gogol. Je me suis dit qu'il fallait récolter des trucs. Mais en fait pas du tout. Donc on va revenir et bon, on va placer le panneau. On va checker bien sur la map si c'est là, etc, etc. Normalement c'était par là. Ok, c'était là. Alors la map. Ouais, c'est ici. Donc on devrait normalement placer le panneau. Ici. Non, c'est ça. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi? Attendez, je crois qu'il faut marquer un truc. Take this here sign and place it in the strangely symmetrical patch. A walker route, a short walk to the north of there. Then label that sign however you want to you want so it show up on the map and come back to see me. Ok. Donc on va label et on va marquer ce qu'on veut, si j'ai bien compris. Donc ok, on va faire ça. Alors c'est cool, en fait c'est des panneaux qui vont nous permettre de voir sur la map. Hop. Donc on peut mettre ce qu'on veut sur le panneau et on le verra sur la map. Donc si là je check la map, attendez, hop, voilà, je le vois, Walker Route, c'est marqué. Très bien. Enfin, si je me trompe pas, c'est bon. Ouais, c'est bon, on a réussi la quête. Ok. Great. That you'll make harvesting them blue for much easier. Almost impossible to find otherwise. Ok. Any other work you're going to convince Flu? Here to take on. Ok, plant un label aussi, Nizar, sont morts. Ok, donc là on a une autre quête avec avec les cartes Asglade cette fois-ci. Une autre quête avec les panneaux. Et on va devoir placer un autre panneau. Donc c'est cool, c'est un petit tutoriel qui nous permet de savoir qu'on peut placer des panneaux et les voir sur la map. Ce qui va être utile, je pense. On va récupérer toute la terre qu'on peut récolter parce qu'il me faut un plus grand jardin. Et voilà. On va avancer. Ok, je suis en plein dedans, mais je vois pas. Ah, c'est ici. Ok. Alors, on va placer le panneau ici. Mince. Ok, c'est bon. Et c'était quoi ça déjà le nom? Cartas Glade, on va l'appeler Cartas Glade. Hmm.
attendez. On va checker la quête quand même. Mark the sacred space. There's the sacred glade unsphered with the pious devices of Maria, but now rarely visited. Plant and label a scene. There are so more on Marla Spingrim. Ok, c'est bon. Donc en fait, on peut marquer ce qu'on veut. Donc c'était quoi? Kertas Glade. Je crois que c'était ça. Confirme. Ok. Donc normalement ça devrait être bon. Est-ce que j'ai le droit de récolter du bois ici? Je sais pas, mais je le fais. On est comme ça. Et ça? Non, ça on peut pas. Putain, il y a masse bois ici. Tout autour là. Plutôt pas mal pour moi. Alors je suis sûr qu'après on pourra faire des trucs beaucoup mieux niveau habitation que le bois. Mais tout de même. Ah, il y a un téléporteur en bas. On va les récupérer. Mais tout de même, pour le moment, si on peut faire, une maison et tout ce qu'il faut à côté en bois, c'est toujours mieux que ce que j'ai. Hein, en paille, je crois. Alors, on a un téléporteur ici. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est un boss. C'est une sorte de boss, je pense. Ok. Alors, on va ouvrir la map. Et on va revenir vers notre ami, qui devrait être content, puisqu'on a fait... Voilà, impeccable. Alfweiser. The ways northwest lies on a bounty of Gassac, out on a small stone island. Explosive plant, good for all, ok. Mark that, lot of future harvest and come back. Ok. Donc là je pense que c'est pareil. Kertas Gassac patch. Alors il y a des plantes explosives si j'ai bien compris. Et on va devoir marquer tout ça. Donc très bien. On va le faire. Let's go. Ça devrait être par là. Ok, j'ai pas aggro. Très bien. Alors, on va checker la map. Ok, on est en plein dedans. Normalement, si on va se mettre au milieu, donc ce devrait être ici. Non. Je sais pas. Ah, c'est là. J'arrive à le sonner. Putain, il m'a fait mal. Il fait trop mal par contre. Les pieuvres font super mal. Ok. Elles font super mal. Du coup il nous faut un truc pour passer. Et ouais. Ok, ça va. J'ai ça, donc impeccable. Ok, je devrais pouvoir passer. You need a better saw. Ok, j'ai besoin d'une meilleure scie. Très bien. Mais au moins, je peux normalement placer le panneau. Ok, impeccable. On va marquer... Mince. Plante... Explo. Ok, ça nous servira peut-être plus tard, dès qu'on aura une meilleure scie. Très bien, c'est bon à savoir. Allez, la petite map, et on revient vers notre poteau. Pour le moment, ça va, il y a juste à placer des panneaux. Ce sont des quêtes assez faciles. Très bien, alors qu'est-ce que tu vas nous raconter encore? Yeah, use the walkingest flow ever. Far west of here, you'll know it by the Marla roots. All around it. Once I finish this here map, I'm gonna move there. Ok. Très bien. Donc à nouveau encore une fois, quatrième quête comme ça. Kertas Fishing Hole. Tac, on va aller par là-bas. Ok. Pas d'aggro, surtout des pieuvres.
pieuvres, les poulpes. Ce qu'on pourrait faire... Non, je vais dire une bêtise. On va avancer. Alors, ça me tarde de voir la pêche, ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra avoir aussi avec la pêche. Qu'est-ce qu'on a là? Glowing. Ok. Télépathe discovered, impeccable. Alors, ça devrait être par là. Ah, juste en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Cartas Fishing Wall. Impeccable. Ok, on va mettre ça ici. What? Done, indeed. This map a built and my move is complete. Thanks, mighty, for the help. I suppose if I adventure own reward and enough, I've got a good remedy for the poison. Ok, on va nous donner un remède. Pour les poisons. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Medicine bag. Oh, un sac. Ok. Très bien. Un sac médicinal. Oh, what? Ok. Re les amis, désolé. J'ai cliqué en dehors du jeu et du coup, bon, c'est mal optimisé, on va dire. Puisque ça m'a fait sortir. Et ça coupe la vidéo à chaque fois. Donc je me mettrai en mode fenêtre pour le prochain épisode. C'est peut-être ça le petit crash qu'on a eu au départ. Enfin bref. Du coup, on a réussi les quêtes avec Arthas, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, on peut faire maintenant un sac médicinal. Donc on a fait toutes les quêtes ici. Et ça nous a donné des... on a mis des pancartes sur les spots. Plutôt intéressant. Donc on devrait faire ça. Je devrais faire des pancartes. Et voilà, c'est un bon tuto qui nous permet de... Un tuto pancarte, hein, qui nous permet de savoir qu'avec les pancartes, on peut créer des waypoints comme ça. Et c'est plutôt sympa, je trouve. Donc on va se faire le sac médicinal, on va essayer de farmer pour, lors du prochain épisode. Et est-ce que je peux... Non, j'en ai 4 sur 8. Ok, il me faut de la terre, il me faut de la terre, il me faut de la terre. Comme ça, on va améliorer tout ça. Ça c'est plutôt cool. Du coup j'ai du bois à côté de la maison. Il va falloir que j'améliore la maison, que je la fasse en bois. Ce serait mieux. Ce serait mieux, ce serait mieux. On va voir avec le bois ce qu'on peut faire de sympa. Ok. Debug complet. Fais le tour mon ami, fais le tour. Voilà, comme ceci. Alors, totem, ok, ça c'est le plancher. Ça c'est la porte. Ok, on peut faire la table et les chaises. Et ça, ça va être important, donc les pancartes. On va s'en faire quelques-unes. Ok, on va s'en faire 10. C'est bien 10, plutôt bien. Et ça c'était quoi? Bureau scroll. With the power of writing on wood pulp, you are now able to convey your love towards the bureau of shipping grid job. Ok, je vois pas très bien ce que ça peut être, mais bon, c'est des parchemins. Je vois pas très bien ce qu'on peut faire avec. Bref, voilà les amis, pour le petit épisode rapide, on a fait les quêtes avec Arthas et on va aller, je pense la prochaine fois, on va essayer de faire les quêtes qui sont par ici. N'est-ce pas? Au moins on en a fini, on a fini une série de quêtes, ce qui est plutôt bien. Il nous en manque 5 avec la quête principale qui est ici. On va essayer de faire les deux là. Les deux dans le prochain épisode. Ce serait pas mal. Enfin les deux, je pense que c'est des suites de quêtes. Bref. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le... petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.